Un retour surprise. 10 ans après avoir quitté Direct 8, Jean-Marc Morandini va faire son retour sur la chaîne, désormais appelée C8. Selon Var Matin en effet, l'animateur va relancer l'une de ses émissions sur l'antenne de la chaîne du groupe Canal+, Retrouvailles. De nouveaux numéros tests sont prévus pour la rentrée en première partie de soirée, ont fait savoir nos confrères. Cette émission, lancée en février 2020 sur Énergie 12, avait été annulée par la chaîne il y a quelques mois. La direction de Énergie 12 nous a dit, il y a 6 jours très précisément, qu'ils ne souhaitaient pas renouveler cette émission, pour faire des économies et sacrifier cette émission, expliquait Jean-Marc Morandini aux téléspectateurs. Je pense qu'il y avait certainement d'autres choses à sacrifier avant dans cette grille des programmes, des choses qui ne font pas vraiment d'audience. En tout cas, si est-il le choix de Énergie 12 est inutile de vous dire que je regrette cette décision et je suis en désaccord avec cette décision prise par la direction, avait regretté l'animateur. Énergie est en train de faire des choix et Retrouvailles ne fait pas partie, tant pis. Cette émission, je la aimais, et si Énergie 12 ne veut pas, eh bien on ira la faire ailleurs. Si est-il donc sur C8 que Retrouvailles va renaître à la rentrée prochaine. Après 10 années passées à l'antenne de Énergie 12, il va quitter la chaîne ce vendredi 15 juillet. J'ai pu pendant 10 ans animer en direct des centaines d'émissions aussi différentes les unes que les autres à la mi-journée, en access et en prime, écrivait-il sur son blog. Ces émissions ont permis de mettre en lumière, avec l'éclairage d'experts, de très nombreuses affaires judiciaires et faits divers, en donnant la parole à toutes les parties. Jean-Marc Morandini va continuer de collaborer avec Énergie 12. Je remercie Énergie 12 et les téléspectateurs pour leur fidélité tout au long de cette décennie, ajoutait Jean-Marc Morandini qui a signé une clause de non-dénigrement avec Énergie 12 au moment de quitter son poste, selon Var Matin. Jean-Marc Morandini va poursuivre, sur Énergie 12, la production de nouveaux numéros de Crime Hebdo et Héritage la saison prochaine pour Énergie 12, Énergie 12 et Chérie 25, sans être à l'antenne. L'animateur prépare également une nouvelle série d'émissions pour Énergie 12. Sur Twitter, le présentateur a annoncé qu'il allait collaborer avec Canal, ce sera que nous bien sûr avec Morandini Live. L'année prochaine et, pour tout vous dire, les négociations sont avancées pour faire d'autres choses sur les chaînes du groupe Canal+.